Ouais, alhamdoulilah, je suis en français, hein. Si vous voulez en anglais, en français. Ouais, je suis très satisfait, je suis très content. Et, surtout le premier match officiel, tu commences par un titre, un super coupe contre une grande équipe, une équipe très 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 technique. Ils ont des bons éléments. Donc aujourd'hui, les joueurs, donc vraiment, donc on a bien préparé le match, on a bien visionné le match. On a bien visionné les deux matchs amicaux. On a envoyé même des espions pour regarder les matchs. On a fait notre boulot comme il faut. Et les joueurs, donc, ils ont fait un très bon match sur le plan tactique. Je dis sur le plan tactique. Parce qu'il y a des différences techniques, mais tactiquement, aujourd'hui, l'équipe, ils ont bien réagi. Et voilà, donc on a géré le match la première mi-temps. On a marqué un but et on avait trouvé Bonheur qui a sauvé le but là deux fois. On était au score et à la deuxième mi-temps, c'était vraiment tout le match. Toute la deuxième mi-temps, c'est pour nous sur le plan tactique. Félicitations pour mes joueurs, félicitations pour les supporters. Vraiment, je suis très ému par ces supporters-là. Et tu commences par une victoire, c'est déjà bien pour le moral, pour les joueurs, pour le championnat et pour la Coupe de la CAF. Mais quel était votre plan tactique dans la première période, même si c'est dans la période dans laquelle vous avez marqué un but, vous subissez tellement? Ouais, en fait, là, c'est toujours comme j'ai déjà dit, donc on joue le pressing, on a joué les 15 premières minutes, on a pressé en haut. Après, donc c'est un ordre que j'ai donné, donc de rester au milieu de terrain, donc de serrer les lignes. Et parce que sur la qualité technique que APR a, les trois milieux joueurs au milieu, ce sont des joueurs créatifs. Ils tournent, ils sont très dangereux. Heureusement, donc, les joueurs ils ont appliqué ce qu'on a dit. Et surtout, donc, c'est vrai que la 15 dernière minute de la première mi-temps, on n'était pas là. Mais au deuxième mi-temps, on a parlé, on a discuté ce qu'on a préparé. Je lui ai montré une vidéo. Et voilà, donc ça a été, et avec les changements qu'on a fait, c'est-à-dire on a fait le nécessaire avec 3-0, donc c'est une victoire méritée. Haruna Majaliwa était titulaire, était à la liste, ouais. Mais on a été surpris de ne pas le voir au terrain, ouais. Même s'il a fait les warm-up. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on a préparé tout le match par Haruna. Haruna, il y a un problème administratif. L'administration, ils ont fait tout, mais apparemment, il y a un autre club, pas burundais, un club congolais que le joueur il a apporté avec lui sa résiliation de contrat. Il a apporté avec lui sa résiliation de contrat. Et les gens de RCD ils n'ont pas voulu donc envoyer le CTI. Et voilà, donc on n'a pas voulu prendre le risque. Parce que par forfait, on peut risquer de. Mais le petit Roger, il a fait un très bon match. Et Emmanuel, quand il a entré, il a fait un excellent match. Donc c'est déjà. Le plus important pour cette saison, que tu as un banc très riche. On a un banc très riche et on cherche à piquer à un ou bien deux joueurs sur le flanc offensif pour qu'on réussisse l'équipe. Parce que j'ai dit là, on a un rêve, mais ce rêve, on veut le créer cette saison. Comment expliquer le choix des joueurs étrangers, l'utilisation des 6 joueurs? Alors, c'est tourne dans l'attaque. Tu as préféré de laisser au Saloué, Milizi et Seno. C'était difficile. C'était facile pour vous. Comment expliquer les choses? Non, et regarde là. Un joueur comme le Vombo, vous voyez, donc il a de l'expérience, il a la touche technique qu'il a. Donc même s'il n'est pas prêt physiquement aussi. Aujourd'hui, c'est un match de Super Coupe. On a 90 minutes. C'est-à-dire, il faut que gagner le championnat ou bien la Coupe la saison prochaine pour jouer. Donc aujourd'hui, c'est un trophée pour Rayon Sport, dans l'histoire de Rayon Sport. On a utilisé, c'est-à-dire les joueurs qui sont prêts. Mberizi et l'autre, ça, ils font partie de l'équipe. Mais on a des obligations des 6 joueurs. Vous voyez, donc. Mais ce que. Aujourd'hui, donc. Charles Bale, bah, il a marqué aujourd'hui. Il a marqué un joli but. Emmanuel, il a fait une très belle entrée. Ojera, il a fait un très bon match. Là, tout le monde, ceux qui ont joué, là, ils ont fait un excellent match pour les autres. Donc regarde là, avoir des joueurs qui sont riches, c'est pour nous, donc il va nous aider, quoi.
commentaire aux performances de Youssef. Mm-hmm. Bah, pour Youssef, il a fait moi je connais Youssef. Youssef, il peut faire mieux que ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont mis donc un main-to-main sur lui parce qu'ils connaissent Youssef. Déjà, l'arrière droit, il n'a pas monté trop. Il est toujours collé. Il y a un milieu défensif qui vient avec Youssef. Donc ça nous a aidé pour faire la transition rapide. Mais sinon, Youssef, c'est un très bon joueur. Techniquement, il est à l'aise. Il va aider l'équipe. C'est pour cela que l'administration, ils l'ont recruté.